beaucoup de partage. Parce qu'on vous demande, vous avez visité les 1 million de morts, vous pensez qu'ils vont arrêter de mettre des morts. Tant de morts, ça ne fait rien direct. Laissez-les. Dieu va les bloquer ici. Alors, on a tous vu ce qui se passe en ce moment. Voilà, partagez mes bébés, ça monte un peu les partages. Flo, comment tu vas, ma grande soeur depuis le Burkina Faso? Mouah. Ma grande soeur Rasta, jolie femme. Alors, je tenais à dire que on voit ce qui se passe sur Facebook. D'accord? On voit ce qui se passe sur Facebook. Certaines personnes, certains blogueurs que je vais tel un nom, ou je dirais une femme, voilà, une riche. On va expliquer une histoire comme ça, faut pas vexer les gens. Maintenant, j'ai mis le téléphone, vous allez appeler, on va pas durer. On va faire une heure de direct. Taguez les personnes qui mettent les étoiles. Parce que ici, c'est l'ensemble des étoiles qu'il nous faut. Donc, mettez les étoiles si vous voulez appeler. Une personne envoie étoile, une personne appelle. Une personne envoie étoile, une personne appelle. Une personne envoie étoile, une personne appelle. C'est comme ça, hein. C'est comme ça et pas autrement. Attendez, j'ai envoyé mes personnes. Voilà. Donc je disais tantôt que je vais expliquer l'histoire vite fait pour ceux qui connaissent, qui savent pas de quoi il s'agit. C'est l'histoire de certains blogueurs, ou je dirais blogueuses parce que ça concerne que les femmes en ce moment. Certaines blogueuses ivoiriennes, voilà. Certaines blogueuses ivoiriennes qui se font entretenir ou qui se faisaient entretenir par une femme qui a beaucoup d'argent, voilà. Une femme vraiment. Non, le profil du boss c'est Komi Bata. Vous mettez arrobas Komi. Vous partez d'abord chercher, vous abonner, puis ensuite vous venez ici. Le boss qu'on entendra pour le taguer, c'est Komi. Voilà. Du coup, cette dame, elle a beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que cette dame, elle aime? Qu'est-ce qu'elle cherche vraiment sur Facebook? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, cette femme avant, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle s'occupait des blogueurs camerounais. Elle faisait les dons. Parce qu'avant, vous devez savoir qu'il y a 5 ans en arrière, il n'y avait pas de blogueurs ivoiriens. À part la famille d'en face. Voilà, je suis pas là pour faire du clash, comme je vous ai dit, les clashs, c'est épuisant. La famille d'en face, c'est eux seulement qui étaient blogueurs ivoiriens. Et puis 2-3 personnes qui faisaient les vidéos vite fait. Donc c'était les Camerounais qui étaient à la mode. Donc cette femme en question, elle faisait ses vidéos. D'accord? Elle faisait ses vidéos. Elle aimait bien les gens qui faisaient les vidéos. Donc il y a longtemps, elle était sur Facebook. Elle aime le Congo, ça. Il y a des gens comme ça. Les gens qui ont l'argent, vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a des ministres. Il y a des députés, il y a des femmes d'affaires, il y a des millionnaires, les millionnaires qui nous regardent. Parce qu'on est devenu un sujet de divertissement. On est plus que Netflix. On est plus que Netflix. Vous comprenez? Donc cette femme, elle suivait là-bas les Camerounais. Avant qu'on disait clash sur Facebook, c'était les Camerounais. C'était les Dangoro. Il n'y avait pas l'homme pour eux sur Facebook. Voilà. Il n'y avait même pas l'homme pour eux-mêmes. Donc cette femme-là, elle avait commencé là-bas. Elle donnait l'argent au plus fort. Que je vais t'aider, ne passe pas là pour 10 millions de gens. Voilà, pour éviter toutes sortes de. Quoi que ce soit. Elle donnait l'argent. Bizarrement, j'ai reçu la vidéo d'une Camerounaise, mais c'était la Camerounaise qui faisait fort à l'époque. Et cette dame, elle a donné l'argent. Donc, elle aimait bien ce genre de personnes. Dans le clash, dans les trucs, dans les isamis, dans les nyagas. Parce que la Camerounaise, elle ne joue pas dans les clashs. Hein. Et on se croise, on se frappe. Et pour eux, c'est comme ça. Vous comprenez, c'est pas dans les histoires de game où on s'arrange. Eux, c'était les trucs vraiment hors commun. Et cette femme s'occupait d'eux, elle donnait l'argent, faisait les dons. Pour ceux qui voulaient, il y a une Camerounaise qui s'occupe des enfants autistes. Elle fait les dons là-bas. Et puis un jour comme ça, elle est tombée chez les Ivoiriens. Elle est tombée sur une blogueuse. Moi, le jour, j'ai posé. Cette femme, oui, j'ai posé elle. Une fois, j'étais en Suisse. Où il y avait un truc, elle m'a dit, il y avait dit qu'il y avait un sac de sachet. Et puis elle a dit, le sac c'est combien? Il y a dit 2000 francs suisses en boutique. Elle a dit, soit tu vas prendre, on paye en boutique, ou bien tu veux l'argent. Je dis, donne-moi l'argent. Et ce jour, j'étais au salon. Je n'arrivais même pas à me joindre. Ils ont appelé mon mari, mais je ne sais pas, ils ont appelé qui pour m'appeler en direct. Et puis j'ai communiqué à cette dame une fois. Mais après, on m'a dit que ce n'est pas elle. Donc, je ne peux pas dire que c'est elle. Mais ça, cette soi-disant femme avec qui j'ai causé, en tout cas, vraiment, elle m'a dit, moi, je veux rester. Moi, voilà la parole que la dame m'a dit. Hein, je n'ai pas menti. À ce moment, on faisait partie d'un groupe de blogueurs. Cette dame, qu'elle est en contact avec moi, c'est pour éviter. C'était pour éviter, parce que parmi tous ces blogueurs, elle a son chouchou. Vous comprenez? Donc, c'était pour éviter que la personne de moi, son chouchou et moi, on tombe. Bienvenue ma personne, c'était pour éviter que ça... Pardon, envoyez les étoiles, oh. Il n'y a plus rien à Facebook, c'est seulement les étoiles, vous avez réussi à retrouver ici. Donc abonnez-vous ici, tu n'as pas la cloche de notification, vous. Ici c'est un mois, on est ici, l'autre page on l'a laissé, c'est que pour les postes. Voilà, c'est maintenant pour le travail là-bas, ici c'est pour faire le Congo ça.
Donc, envoyez les étoiles. Aura quitté ici au moins 5 000, 6 000 étoiles. Chaque fois qu'elle fait le direct ici, opération, 5 000 étoiles, mes bébés d'amour. Donc, cette femme-là, le jour qu'elle m'a contacté, c'était pour éviter le clash entre moi et puis une blogueuse qui était son chouchou. Voilà. Elle m'a eu au contact, elle m'a dit, laisse-moi, je t'aime bien. Mais j'ai promis à cette blogueuse-là que, depuis elle était enceinte, franchement, que j'ai occupé d'elle, sa grossesse et son enfant, jusqu'à 2 ans après elle a libéré. Que notre contrat va finir bientôt. Je vous explique, hein. Qu'elle est la blogueuse, les contrats vont finir bientôt. Elle va venir vers moi parce qu'elle aime bien mon blog et tout. Et après, ok, moi j'ai dit ok, moi c'est mon âge, m'intéresse, moi je me foutais au fait. Parce que j'aime pas trop, quand je connais pas quelqu'un, j'ai pas trop causé la personne. Et quand c'est au restaurant avec des abonnés à Genève, et puis ils sont venus, quelqu'un est venu me donner 2000 francs suisses. Après, je n'ai plus les nouvelles de cette femme. Je ne suis plus dans le groupe groupe des blogueurs. Je suis parti faire mon chemin tout seul parce que les histoires de groupe, j'aime pas. Et donc, je n'ai plus jamais eu les contacts de la dame. Donc, la dame, elle est restée en contact avec tout le monde. Tout ce qui est dans le commis. En tout cas, elle a aidé ce qu'elle pouvait aider. Elle fait ce qu'elle pouvait. Mais vous savez, il y a des gens qui nous regardent. Ils ont leur argent, ils sont chez eux. Quand ils sont au travail, quand ils sont dans leur bureau. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, Leslie, il y a bien ici, là. Il y a ministre, il y a député, il y a. Ceux qui ne disent pas imaginer, ils sont dans leur bureau, puis ils te regardent. Même à la télé, les femmes qui travaillent à la télé, elles sont là-bas, elles prennent le téléphone, nous regardent. Que les filles, c'est pas qui te regardent. Donc, les gens nous regardent parce qu'on est un sujet. On divertit, au fait. Quand je vais faire mes conneries, les gens rigolent, ils sont contents. On ne sait pas qui est derrière les faux profils. Il y a des grandes personnalités qui nous suivent. Donc cette dame en question, elle a l'argent. Elle est d'une famille aisée en Côte d'Ivoire, elle a des sous. Elle a commencé à s'occuper d'une blogueuse et tout. Après, voilà, elle a commencé à avoir des contacts avec d'autres personnes et tout ça. Parce que ce n'est pas une personne qui est venue. Elle n'est pas venue sur Facebook avec la seule blogueuse. Elle était d'abord chez les Camerounaises et ensuite elle est chez les Ivoiriennes. Elle donnait à qui veut l'entendre. Même aux garçons blogueurs ou quoi que ce soit. En tout cas, elle donne à qui. Avec qui elle a l'affinité. Quand vos génies vont ensemble, elle te donne. Ici, c'est Facebook, c'est qu'il est dans le soi-disant groupe ou quoi que ce soit. Je vais essayer de faire un récapitulatif. Après, vous allez appeler. Hein. On a combien de minutes de direct? Voilà, je n'ai pas trop duré. 22 minutes de direct, ok. Donc, envoyez les étoiles. Sinon, personne ne va appeler. Si vous dites en même temps, vous aimez le Congo, ça, vous devez pas envoyer les étoiles. L'opération 5000 étoiles. On est à 775 étoiles. Mais faites, ne tentez même pas avec moi le soir là. Le braquage. Et vous braquez en direct. Donc, cette dame en question, il y a une blogueuse, ou je dirais une vendeuse de secrets. Cette fille, elle vendait le secret, une malienne. Elle est d'origine burkinabé ivoirienne. Son mari est malien. Je l'ai surnommé ici Colomb Percé. Parce que le sport est le Colomb Percé. Vous rappelez de cette vilaine blogueuse, cette vendeuse de secrets. Parce que comment elle est connue sur Facebook, elle vendait beurre de qualité qu'on met dans Pétou. Beurre de qualité que les femmes vendent au marché, là, pour serrer les Pétou. Est-ce qu'elle vendait sur Facebook? Donc elle n'était pas blogueuse. Elle a gagné au Bali là-bas. Dans tout là-bas, dans le tout de politique, il y a 2-3 ans en arrière. Elle est venue en fait des Ivoiriens. J'ai prévenu tout le monde. J'ai dit, c'est là. Elle a caché au Mali là-bas. Elle est blogueuse malienne. Ils l'ont jeté. Voilà, elle est même blog. Elle a oublié de se coller sur les Ivoiriens. Non, laissez, il faut laisser. Groupe de blogueurs, c'est pour tout le monde. Il fait attention à cette personne. J'ai parlé, c'est rentré, c'est sorti. C'est une manipulatrice. La dame, dommage pour elle. Elle est rentrée en contact avec Colomb Percé. Pourtant qu'elle avait sa fille dans le groupe, qu'elle aimait bien, qu'elle s'occupait d'elle, de sa grossesse. En tout cas, elle s'occupait bien d'elle. Elle est rentrée, ils ont... Colomb Percé a tout fait, elle est rentrée en contact avec cette dame. Qu'elle est rentrée en contact avec cette dame, virgule. Après, la vieille chouette de Belgique, aussi est rentrée en contact avec cette dame. Donc maintenant, c'est devenu maintenant chacun d'abat. Maintenant que chacun d'abat va fermer sa gueule, ils ont commencé maintenant à faire gâter de l'autre qui sont venus trouver. L'autre gâte, l'autre enregistre, l'autre fait ceci. Qui a commencé les histoires? Qui a commencé? Parce qu'on avait parlé au début que Colomb, moi personnellement, je vous avais dit, on pleut pas Facebook. Parce que quand vous détestez Leslie, quand Leslie vous parle, merci, quelqu'un a envoyé 200 étoiles, merci. Myriam Koulibaly, merci. On a mis 115 étoiles, on a dit à 5000 étoiles. Quand vous aimez vous détester Leslie, quand Leslie vous parle, que vous voyez la vérité, c'est quand vos forums ont eu le mieux que vous venez sur Facebook. Je vous ai dit, Colomb Percé, c'est le danger le plus. C'est-à-dire qu'elle n'est pas blogueuse. Elle n'est pas game. Elle n'est pas dans le game. Elle ne connaît pas arrangement. Elle ne connaît rien. Chez les Maliens là-bas, là, elle a gâté. Donc tout le monde l'a fui. Elle ne faisait plus son blog est tombé. Normalement, Colomb Percé devait avoir 1 million d'abonnés. Parce qu'au moment que les Maliens faisaient fuir, nous venons d'arriver en France. Où les Maliens ont fait des politiques de. Ils étaient en tas. Quand ils font direct, c'est les 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 personnes. Gola était eux. Elle les a mis en parole, elle les a enregistrés tous. Quand elle a vu dans tous les Ivoiriens, elle dit que c'est là, c'est un démon. Quand elle a
dit qu'il commençait à la dénoncer, virgule, pour la percer. Selon le courant, elle prend sa voiture, elle vient me frapper. Elle a tourné dans les herbes. On l'a pas vu de Saint-Jacques. Elle est comme ça qu'elle est rentrée chez elle. Colin Percy a commencé à enregistrer cette dame. Pourtant, cette dame est chez les Camerounais depuis. Elle a commencé à enregistrer cette dame. Elle quitte ici. Elle enregistre l'autre. Elle quitte ici. Elle enregistre Belgique. Elle enregistre tout le monde. Elle a commencé d'abord par les voices de l'ancien groupe des blogueurs où j'étais. Elle a fini ça. Maintenant, on m'a fait chantage aux femmes là. Quand on m'a promis 2 millions, ce n'était pas même vocal. Elle est venue en mode broutage. Il a bien fait direct comme je le fais ce soir. Colin Percé est venu en mode broutage, brouteuse, brou, Colin Percé. Colin Percé cuit dur. C'est vrai que Colin Percé vit en mode broutage. Elle a brouté, elle a brouté, elle a fait. Il dit que c'est comme ça que la femme là a fui. Sinon, la femme là, elle nourrit les blogueurs camerounais. Elle a commencé à nourrir les blogueurs ivoiriens. Elle est les 5 et les 1000 euros. En tout cas, d'autres ont nargué les camarades. Moi, quand même, ça m'a rien fait parce que quand tu n'as pas les pieds pour aller travailler, quand tu es paresseux là. Quand tu es nagé, il y a 100 euros, t'es fâché. Ou même des 50, ou même des 10 euros, t'es fâché. Moi, tu me nagues, mon cœur est chaud, ma valise de mettre travail, prends mon jet, je suis contente. Vous avez compris? Colin Percé commence à fâcher parce qu'une de ses collègues, ou même une de ses soeurs, parce que là-dedans, vous êtes tous ses enfants, une de ses soeurs a commencé à avoir trop d'argent plus que elle. C'est vrai qu'une de ses soeurs a commencé à avoir plus d'argent plus que elle. Donc, elle dit à maman, maman, je vais me mettre tes voix, de temps, même avec moi, que tu donnes plus d'argent à l'autre que moi. Donc, ça va vraiment devenir du chantage. Une de ses soeurs aussi dit que c'est moi sa fille. Bien, vous savez, dans la famille, il y a toujours les enfants bien aimés. C'est moi sa fille bien aimée. Ok, merci. Hein, c'est moi sa fille bien aimée. C'est pour ça qu'elle aussi, elle venait les couper, les calais. Oh, les champagnes. Oh, comme les 6 que ton nom, elle lavait le champagne, tout ça. Oh, les couper, les calais. Oh, oh les polami. Oh, les travaillements. C'est vrai que pour la personne dit maman, maman, maman. Maman, il avait combien de fois des tantes, mais pas de plus d'argent à ma soeur plus que moi. C'est comme si la maman avait plus d'amour pour l'autre. Elle avait notre enfant à Belgique. Elles sont beaucoup, hein. Allons à 2000 partages, 1800 personnes. Allons à 2000, envoyez-moi mes étoiles. On a 1700 étoiles, c'est, il y a 5000 étoiles. Ne me faites pas parler. C'est vrai que pour l'empêcher, ce dont la dame nourrit certaines personnes, ça fait longtemps. D'autres se montraient. Ils tapaient la poitrine pour dire j'ai l'âme plus que l'autre, mais c'est le game. Ça n'a pas fait mal à quelqu'un, ça n'a pas frustré quelqu'un. C'est comme ça qu'ils ont commencé à torpiller. Au lieu de mailler, chacun va mailler la partie. La dame, elle aime le Congo, ça. Elle va appeler l'autre. Hey, c'est ma fille préférée. Oh. C'est comme ça que Colin Percé commence à enregistrer la dame. La dame la fait confiance. La dame la met dans les appels. La dame critique même sa fille préférée pour lui donner parce qu'on a tous entendu. Mais Colin Percé, elle n'a pas fermé sa gueule. Et puis Daba, elle a fait pour elle un chantage. Pendant que d'autres se jouent, d'autres font les atalakous. Maman, 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 maman. Elle est en mode brouteur. Vous savez, les enfants brouteurs. Voilà, elle vit en mode brouteur. Elle veut brimougou la maman. Elle veut prendre le portefeuille de sa maman pour prendre l'un dedans. Hein? Pour prendre l'un dedans. C'est comme quand Colin Percé est devenu brouteur sur Facebook. Elle fait un mot chantage. Maintenant, elle, quand elle pose la dame, elle gâte pour les autres. Quand celle aussi, apparemment, l'autre type de Belgique, elle met dame aussi, elle gâte pour ceux qui apparaissent. Ceux qui apparaissent aussi. Elle est étonnée. En tout cas, c'était un mode chaîne alimentaire. Et puis, c'est gâte maintenant eux. Oui, je dis, après sa nourriture, aller réaliser, ou bien aller faire les chirurgies, ou bien aller faire les maisons, ou bien aller réaliser les sociétés. Ils se commencent à se gâter en eux. Là, vous avez une maman, 10 enfants. Ces autres enfants-là, ils ne parlent pas. Hein. Il y a des gens qui sont là. Elle est nourrie. Elle paye les billets d'avion, elle donne jet. Elle ne parle même pas. Mais vous, les trois perdants, vous parlez, vous êtes par là. Bon, là, bizarrement, qui a créé tous ces isolés? Moi, je me dis la vérité. Maintenant, les numéros, quelqu'un m'a appelé. On a 2400 étoiles. Il nous reste encore 2600 étoiles pour atteindre les 5000 étoiles. On met le numéro, vous avez dit, personne ne va appeler. Colin Percé, à l'esprit dur, c'est elle qui a ramené les histoires d'enregistrement de marraine sur Facebook. Sinon, sur Facebook, ici, il y a des blogueurs qui mangent il y a longtemps. Il y a les ministres qui donnent l'argent. Les députés sont derrière. Les femmes d'affaires sont derrière qui nous aiment. Les femmes qui sont aux États-Unis, au Canada, en Afrique, qui donnent tchèque. Puis il y a les blogueurs qui ne parlent pas. Mais la femme, elle nourrit les gens à longtemps. Pourquoi autour de Colin Percé, elle est obligée d'enregistrer la dame? Parce qu'aujourd'hui, les gens disent qu'apparemment, la femme a maigri. Mais qui a envoyé ça dans le bloc ivoirien? Une femme qui a son argent, qui vient vous aider. Une banque de fainfants comme vous. Vous êtes maintenant habitué à ne pas travailler. Hein? Vous n'êtes pas handicapé. Hein? Vous êtes. Fais la gueule à Facebook. Même
gâté pour tout le monde. C'est toi qui commences. Oui, je te dis. Parce que il y a fait capture d'écran, des crânes de ton mari. Tu vois, il allait me frapper. Non, c'est maintenant super pour toi. Ton cuir, Dieu, André, a cassé pourri. Là. Tu as roulé ta voiture pour que tu me frapper. Donc, toi, tu n'as rien jusqu'à. C'est la dame, tu envoies le passeport de ton mari pour aller chez ton mari en Turquie pour l'envoyer. Va demander ton mari un footballeur pour l'apaiser. Tu as traité mon gars ici de grosse, de ceci, de l'aile, de la peste, de pète blanche. Ton gars est venu, il fait un malguia de carême. On dirait malguia qui est en carême là. Ton gars, on dirait malguia qui s'est prié à 4h du matin à la mosquée là. Quand on l'a vu là, il y a bien offert. Quand tu as ouvert ta gueule, viens l'allumer. Parce qu'apparemment, il y a une dame, vous là-bas, des enfants de la dame qui a insulté ton mari, folie, veut te prendre. Ah! Tu te rappelles quand tu avais insulté mon gars ici? Hein? Quand tu avais insulté le beau, gars, t'as pas de malguia, Alex, en volée de Turquie. Là, depuis les bases de visage, j'ai pour venir. Il t'a cité à quel moment? Il a dit, mais pourquoi l'envoi, c'est pour le monsieur? Ou même ta gueule, comme tu allais. Et puis, elle est comme ça, elle enregistre les gens avec cogner les têtes. Quand on a pensé cogner les têtes, j'avais prévenu toutes ces personnes-là. Mais comme ils me détestaient, aujourd'hui, ils vont pleurer parce que tu es très mauvaise. La dame te nourrit. Elle enlève ton mardi à tête verte, tête arc-en-ciel de la Turquie. Le fait nager par la Grèce. Il marche. On le met dans le coffre d'avion. Tout ça grâce à la marraine. Tu oses venir ouvrir ta gueule pour mettre les vocales de cette femme. Pour dire que si les autres blogueuses t'insultent, toi, tu mets les vocales de la femme. Mais tu es une brouteuse. Ben, tu sais que la femme a peur de ton chantage. Elle va que tu salues son image. Donc, tu l'enregistres. Elle vient pleurer dans tes oreilles pour dire pardon. Tu prends 1000 euros à elle. Une mendiante patentée. Tu es une grosse mendiante. Depuis que tu es rentré dans le blog ivoirien, ça fait 6 mois, rien ne va. Entre nous, on s'est insulté. Mais tu crois que la vieille chouette là, la vieille chouette de Bruxelles, tu crois que si elle vient en Belgique, elle n'a pas de problème. Elle avait invité une de ses petites soeurs aussi chez elle. Oh, bien sûr, c'est dommage. Parce qu'elles ont quand même l'autre avis sur l'intimité. Mais tu penses que si elle est à Bruxelles, là, et ma grande soeur est milliardaire à Bruxelles, tu crois que Colin pensait si elle est à Bruxelles, que je vois ma grande soeur. Ou bien je vois la vieille chouette de Belgique. Tu crois qu'elle a dépassé? Je vais la saluer, on peut même être ensemble. Parce qu'on n'a pas de problème. Normalement, on n'a pas de problème. Quand elle t'assoit aujourd'hui, tu passes ton temps à enregistrer les gens. Bon, entre vous-même, on peut dire que ah, c'est un clash et tout ça. Mais la femme qui te nourrit, qui a pris ton malgré orange, blanc, vert, là, ton malgré arc-en-ciel, ton malgré indien, ton gars, ça s'est pâté ton derrière louche de funérailles. Depuis que tu m'avais insulté, tu avais insulté mon gars, la veille, mon diable. Comment t'as fait? Ça l'a gardé. Depuis que tu m'avais insulté, ça l'a gardé. Tu m'avais insulté depuis. Même la danse de 37 000. Même ma danse de 37 000, tu m'insultes. Oui, de papa. Ton mari est venu, non? Soit tu m'insultes. Je vais, cette page, je vais la nourrir sur toi. Et puis, parce que officiel, les maçons, c'est comme regarder les têtes. Beaucoup de personnes ne connaissent pas cette page. La plus moindre, tu n'es même pas ivoirienne. Tu es burkinabé, tu es né burkinabé, mais tu as grandi en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que quand tu as eu tes diplômes, tu allais travailler à l'aéroport. Puis tu sortais avec un gars là-bas au Burkina, à l'aéroport. Tu étais laveuse de douche là-bas, laveuse de WC. Quand on parle un peu, je travaille à l'aéroport. Tu viens là-bas. À la fois qu'il travaille à l'aéroport du Burkina, tu connais. Elle n'assume pas qu'elle est vraie ivoirienne. Tu es né burkinabé, mais tu es né en Côte d'Ivoire. Tu as fait tout le reste de ta vie au Burkina, tu as travaillé à l'aéroport en tant que laveuse de toilettes, quand on chie là. Quand les gens sont en escale, les Pakistanais, les Ivoiriens, les Guérés, les Wobé, là, quand on s'en chie là, c'est toi qui laves. C'est quand tu as fait toute ta fille là, ta grande fille qui a lancé André Pied de Biche là, avec ton fils qui est là-bas. C'est comme ça que tu fais pour moi, tu viens en Europe. Tu as compris? Tu m'as même insulté, tu vois, j'ai oublié que tu me poursuivais ici. Tu prenais bois, je vais la frapper. Maintenant, tu es enceinte, non? Envoie ton mari venir frapper. Pas qui de ton mari, on est pas soi. La femme va venir frapper. Vilaine, mauvaise femme. Il y a des blogueurs là qui sont d'abord, ma femme, mais tu as gâté pour tes soeurs. Tu as gâté pour ceux qui en Belgique, elle n'a pas fait. Elle se cherche, elle a sa mariée de se chercher, elle a son petit jet. Peut-être que la mariée lui donnait les 5 000, les 10 000 eux. Mais ta soeur qui est à Paris, tu vas penser à ses enfants. La dame s'occupait bien d'elle. Elle-même l'a dit, ça y est, elle s'est dit, on m'a fait pitié. Ça m'a fait vraiment pitié. Mais toi, une chienne comme ça, quand on parle, j'ai société. Quand on parle, j'ai un mari. Ton mari, il t'a enceinte. Attends, ton mari, il est là depuis quand? Par rapport, tu es enceinte de 6 mois. Mais quand tu voulais me frapper, c'était pas enceinte. Non, ton mari n'était pas là. Quand tu dis que tu voulais me frapper, tu roulais ta voiture. Ton mari n'était pas du tout à Rennes. Donc, à quel moment tu as été enceinte? Viens, on va décortiquer ta grossesse. Il est décortiqué, t'as compris que tes beaux parents vont te montrer eux.
Et dit, narine, tête de ton mari, qui rentre Congo, qui est sa tête là. Quand est-ce que mon mari, mon gars, il est habitué. Toi, on vient de découvrir ton mari, il va capturer ses narines. Sa tête est longue comme ça, on est pioche. Une sorcière. Quand il disait au blogueur, il voyait qu'elle fait ça là. Même si elle met les voices, ne la calculait pas, ils ne m'ont pas écouté. Parce que chacun voulait régler ses problèmes avec X blogueur, avec Y blogueur. Ils ont commencé à t'aimer. Si ce n'est pas leur côté qui te prenait, c'est leur côté qui te prenait. Chacun te tirait pour être joué les voices. Tu as voulu mettre ici ma copine, tu dis de maman. Mon bébé de chouchou, tu as voulu la mettre en parlant avec son grand frère, Paco Jai. Mon ancien gars, Paco Jai. Tu as compris? Tu es une sorcière. Tu enregistres les gens. C'est-à-dire que tu enregistres une maman et puis tu vas montrer à son enfant. Tu n'as pas honte? Jusqu'à dire que tu as le nude de la femme, ou même tu as le nude de celle-ci. Faut mettre nude des gens. Tu sais à qui tu fais ça? Oh? Une chienne patentée. Tous les jours, on se réveille. Les femmes là, les filles là t'insultent. Toi, tu viens mettre les voix d'une femme qui te nourrit, qui enlève ton mal, Guya, et puis quelqu'un d'autre l'enceinte. Et puis c'est son gars qui quitte en Russie, ou bien c'est au Pakistan, ou bien je sais pas où dans quel pays là. C'est quel pays là? Et qui pousse là? En Turquie, pour venir avoir Kaolo. Donc ton mari est là, ou bien ton soi-disant gars est là, et puis tu es en train de bavarder dans la voiture. Tu ne peux pas acheter, pas que ton gars, même tu le commandes, il n'a rien à dire. Tant que tu manques de Bangala. Une femme va te nourrir, nourrir ta mère. Puis on dit que non, la dame va nourrir ta mère. Tu dis que si la dame va voir les preuves, elle va fuir Facebook. C'est quoi que tu as encore fait? Tu as dit que la femme est dans la politique. Tu dis que la femme est coup d'état. Tu as déjà tout dit sur la dame. Tu n'as pas honte qu'on l'a percé. Ta vie, c'est le chantage. Mais va travailler, maf. Va travailler, vieille chouette. Va travailler. Tu as compris? Va travailler. Tu menaces avec les Belgiques. Quand elle t'allume, tu dis non, elle met les voix de la femme, qu'elle n'aime pas la femme. Oh. Toi, tu aimes la femme. La femme a déplacé une queue depuis la Turquie pour ramener cette queue chez toi en France pour que la queue puisse te mougou. Mais malgré ça, là, la dame apparemment elle a nourri ta mère, elle a envoyé ta mère à l'hôpital. Mais malgré ça, tu sors et puis tu insultes, tu mets les voix de la dame où elle est en train de critiquer une de ses filles. Mais c'est ses filles. Et les gens ne n'ont rien à faire là, Jean. Ou bien je dirais, ils aiment le Congo. C'est les gens comme ça. Elle s'ennuie. Elle est riche, elle a son jet. Moi, elle la connaît pas, elle n'a jamais vu, elle n'a jamais parlé elle. Mais elle a son petit jet. Peut-être qu'elle est causée avec toi. Et quand je vais l'aider, elle va causer avec toi. Après, elle va aller causer sa fille, elle va causer les autres. Mais depuis que tu es là, tu as tout gâté. Moi, elle n'a pas fait, moi, ma part. J'ai ma part de grande soeur. Oui, il y a ma part de grande soeur qui a guéri. Si elle fait, elle dit ma grande soeur, il faut me virer 500 euros, me virer 500 euros. On a 3600 étoiles, donne-moi mes 5000 étoiles, mes bébés. Il nous a encore 2000 étoiles. Il y a ma part de mamoun. Il n'y a pas de mère, le bien est bien. Actuellement, elle aidait mon petit projet, donc il demande. Quand elle dit, si elle remet qu'elle est faite, que mes yeux sont déjà rouges, hein, si elle est comme si elle était faite à Facebook. Demain matin, on va virer mon gars. Nom de Dieu, c'est là-bas là-bas, là toujours. Il m'a retiré mon tchokwano. Une sorcière comme toi. Mais en fait, tu sais là comment dans le blog, ils veulent vraiment savoir. Parce qu'il y a les gens, leur blog, par exemple, Jesse, son blog, Jason, c'est les angels de Jason. Mais toi, on dit le chien qui te nourrit peut te mordre un jour. Toi, tu as la qualité de chien galeux que on te nourrit chaque jour. Et puis, on te tue. Pardon, mettez les numéros à épingler. Mettez les numéros à épingler. 38 minutes. Il a dit, on fait une heure de direct. Mettez les numéros à épingler. Voilà. Mais Christelle, ma personne, mets les numéros à épingler. Vous allez lui demander, c'est quoi son blog à Facebook? Hein? Il y a quelqu'un qui dit j'ai envoyé 6400 étoiles. C'est pas vrai parce que Facebook n'a pas encore affiché. Tu mens. Tu mens, tu mens. Facebook n'a pas encore affiché. C'est vrai que sur ton profil, c'est dessiné les étoiles, mais Facebook n'a pas encore affiché les 6400 étoiles là. Tu mens. Maria, mon bébé. Amenez les numéros, vous allez appeler. On va demander à Colin parce que c'est quoi sa vie à Facebook. Il ne défend pas les autres parce que, comme je vous dis, je suis la jet seule. Mais ce qu'on voit, c'est de la bouillabaisse. Voilà. Les autres se défendent comme elles peuvent. Mais qui met les vocales de la dame? Qui a commencé avec les voix de la dame? Qui? C'est ça qu'on veut comprendre. La dame, là, elle nourrit un blogueur, deux blogueurs, des hommes que moi je connais sur Facebook. Et puis elle est dans l'oudjé. Elle donne Dieu à sa fille, apparemment elle donne plus Dieu à sa fille. C'est dommage. Parce que Marie, que tu mets les voices,
où tu entends les mêmes, où la dame va te descendre, sa fille chouchou, sa fille chouchou, que c'est ma mère Hélène. Ça te fait ça pas des leçons. Ça dit que toi tu es venu sur Facebook, tu es gâté tout le monde. Tu t'es levé ici, tu dis que pas pour Joe, avec sa soeur. Tu es venu dire que son frère la critique. Ton but là, c'est comment il te pose une question. Nous, on fait notre clash entre nous. On va finir par se voir. On va finir par boire champagne. Bébé, faut épingler, s'il te plaît. Attends, épingler. Ouais, faut pas y aller. Oh, tu as vu, non, il n'est pas épinglé. Le bon, laisse, laisse. Non, laisse, laisse. Mon doigt, il est là-dessus. Voilà, c'est bon. Appelez. Appelez, mes bébés. Vous allez prendre. On a 3600 étoiles. Appelez. WhatsApp ou direct. Voilà. Ton but là, c'est quoi? C'est ce que moi je veux savoir. Depuis que tu es rentré dans le blog ivoirien, ça fait 2 ans ou 1 an. Depuis l'année passée. Tu sais pas, maman, là, la dame, l'autre là, celle qui a habillé madame Akoun, c'est sa camarade, c'est quoi? Après, même si c'est pas le plus bon, nous on n'a pas besoin de savoir qui c'est pas là qui. Mais ton but, c'est quoi, Facebook? Tu travailles pour quoi? Tu es venu pour quoi? La dame te donne de l'argent. Apparemment, ton mari qui était en Turquie, c'est elle qui a fait. Tu as envoyé ton passeport. Ça veut dire que si tu rentres au boulot, qu'il va prendre le dossier là. Viens recevoir le passeport de ton mari, puis il me bouque sur tes comptes sur Facebook. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. C'est Leslie. Oui, c'est Leslie, on vous écoute. Mais pour ça, s'il te plaît. Quand vous appelez là, diminuez le direct. Sinon, vous allez vous entendre. Vous êtes en retard quand vous entendez. D'accord, mes bébés d'amour. Envoyez les étoiles. Opération 5000 étoiles. Avance encore. Voilà. Bon, ça fait ma mère comme ça. Appelez. Non, vous allez. On va lui demander c'est quoi son problème. Parce que chacun est venu, moi, par exemple, à me dire que mon problème, c'est les étoiles. Mon problème, c'est les étoiles. Si il y a les étoiles maintenant, il dit que j'ai 5000 étoiles. On a 3800 étoiles. Si il y avait 5000 étoiles, 6000 étoiles, c'est mon problème qui est là. Mais fait le Congo, c'est mes abonnés. Mais elle, son problème, c'est quoi? Parce que, mine de rien, la dame lui donne de l'argent. Et c'est dommage que cette dame continue à lui donner de l'argent. Tu mets vocal de la dame tous les jours, mais tu as un problème même. Hey! C'est une bande de brutal, ça. Brutal. Mais toi, t'as pas de mendicité sur le haut niveau, hein. Toi, tu es guéribou. Guéribou, son flalama, elle est aigre. Mais mets dis donc. J'ai reçu une notification. Faut demander à tes parents. Appelez mes bébés d'amour. Voilà, on va prendre un appel qui a pris. Allô? Allô, Leslie? Oui, bonsoir madame, on vous écoute, vous êtes dans le direct. Oui, t'as vu? Oui. Mais j'ai pas vu le direct. C'est qui, s'il vous plaît? C'est Fondo. Hein? Fondo, Fondo, je suis une de tes abonnées. Ah ma chérie, on est en train de direct. Faut regarder le direct, c'est partagé sur ma page. Ah, quelqu'un dit la marraine t'appelle aussi. Moi, aide à ma maman. Moi, partage pas, hein. Ah, moi, je suis très jalouse en matière de relations camaraderie ou bien relations d'enfants, mais moi, je partage pas, hein. Et puis, moi, ma maman, elle n'est pas dans les vrac-vrac. Voilà. Allô? Une mendiante. Moi, ça n'a pas de mendicité, ça me dépasse. On est à 10 000 étoiles, merci. Je ne sais pas qui a envoyé. Mais qui avait dit qu'il a envoyé 6400 étoiles? C'est maintenant la courroie et Mariam là. C'est Mariam, non? Mariam, merci, mon bébé d'amour. On a 10 000 étoiles. Allô? Il ne voit pas ici. Allô? Oh, parlez non, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? Allô? On a 10 000 étoiles. C'est vrai que madame, ce que tu as dit, c'est vrai. Tu es en train de me mentir. Mon maudit, moi-même, mon maudit. J'ai dit, tu as envoyé, mais au fait, ça arrive en retard chez moi. Quand vous appelez, parlez. Sinon, je vais rapprocher à votre narine. Allô? Allô? Oui, bonsoir ma chérie. Ouvre ton bosier, s'il te plaît. Merci. Ça va? Ça va bien, et toi? Ça va très bien. Ça va, Gaïria? Allô? C'est pour faire pour Matoya?
Ok, on t'écoute. Vraiment, la dame là, elle dérange les gens trop. Tous les blogueuses ivoiriennes là, la dame là, franchement, elle m'énerve beaucoup. Je lui déteste jusqu'à la mort. Elle n'est pas bien. On ne sait même pas ce qu'elle cherche. Demandez-lui ce qu'elle cherche, madame. Elle va nous dire, moi, on va savoir ce qu'elle cherche. Je ne sais pas. Vraiment, vous n'avez qu'à lui laisser dans sa place. Sinon, ce n'est pas bien. On a compris. Merci beaucoup. Ok, au revoir. Merci. Allô? Allô, bonsoir, docteur. Bonsoir, c'est quoi pour Atoya? Oui. On vous écoute, madame. Ouvre ton gosier, ouvre. Franchement, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'elle a. Franchement, moi, j'aurais rien sans dire. Je ne sais pas quoi elle a calculé. Elle est malade. Elle est collée percée au fait son cul. Elle était constipée. Oh. Une dame qui t'a rendu service, même si c'est un centime, là, c'est bien beaucoup de gens. Tu n'as pas exposé cette dame la nuit, tes jours, tu es. Tous les jours, la même personne. Je ne sais pas si c'est quelle qualité de médicament elle a fait ou bien. Je ne sais pas si la dame, même elle est maso aussi. On ne sait jamais, mon cher. La dame aussi, là, moi, je dis, elle ne prend pas sa place aussi. Parce que quand tu es une dame aussi, tu te fais respecter là. Tu choisis une personne dans la maison. Mais la qualité de marraine aussi, on dirait même papa, elle est déjà il y a. Merci. Mais si, quand est-ce que ta marraine est discrète, comme tu as dit la femme de mettre dans son coin, elle est derrière toi, elle est toi la style, elle n'est pas dans les bosses des gens. Pour une femme, tu veux respecter là. Tu as une seule fille sur la toile que tu as mis bien. Et même si tu aimes, même si tu aides, c'est bon d'aider. Mais il faut être discrète. Mais tu aides depuis que tu dis aux yeux du monde. Tu exposes les gens partout, on ne peut plus servir. Tu as aussi tes yeux aussi. La marraine aussi, elle abuse un peu aussi. Pas bien à son caractère, mais la marraine aussi, elle est chez Akmama. Elle est un peu partout. Vraiment, elle aussi là. Elle est pour que les gens vivent aussi, franchement. Elle est pour que les gens vivent aussi, franchement. Une grande dame comme ça, comme on le dit, il faut avoir un peu de retenue, un peu quand même. C'est ça, clair. Pas un peu. N'importe qui, n'importe quoi, en train de parler de toi comme une malpropre. En pourtant, ces gens-là, tu les as rendus service. Et ils ne sont pas reconnaissants envers toi. Ils te traitent comme. Merci, Mariam Koulibaly, pour les 6400 étoiles. Ouais, tu es l'homme, ma chérie. Merci, ma chérie, pour le concours. Ça t'avait combien d'étoiles? Faut envoyer sinon te rappeler hein. Bisous. Y'a pas quelqu'un pour appeler pour laver cette colonne percée, moi hein. C'est quoi, vous avez pitié? C'est une voleuse. C'est une voleuse. On dit mais qu'est-ce que la dame a fait? T'es un des rêves Congo, appelle, tu as donné ton avis. Merci Mariam, franchement c'est maintenant vu. Allô. Hi. Allô? Allô? Allô, Leslie, bonsoir. Bonsoir, ça va pour Patoya? Oui, ça va, papa. Ça va, Jaïria. Vous êtes Jaïria, ça va, combien d'étoiles? Je n'ai rien envoyé d'abord. Qui compte que t'as dit pour l'en percer là? Non, mais ça laisse partie du monde, quoi. Il n'a rien à voir, vraiment. faut la laver. Non, mais elle a pris le monde, quoi. Tous les jours, même chose, les voice. Elle est dans le noir, il y a deux personnes, les voice. Elle est confiée, on dirait. Sur l'eau, ils ont mis des caries, là. Peut-être qu'elle va parler, là. Non, mais elle a pris les gens. Mais elle veut quoi à la femme? Elle veut quoi à la femme? Ah, mais demandez-le à la femme, ce qu'elle lui veut, on sait jamais. Peut-être qu'on dit que Kadi aussi, elle a grève. Et on dit que la dame aussi, apparemment qu'elle est branchée, on dit que Colin percé aussi, on sait jamais. Non, c'est tonton Colin. Non mais c'est pas ça, t'as dit la. Ouais, madame, ton réseau, comme le commençant d'avoir un bon réseau, quand t'accrocher à côté de ton wifi, on va te rappeler. Hein? Qui prend ton dit ce soir, le Colin percé, elle m'énerve, elle me sort par les ponts. Il n'est pas parti pris, hein. Les autres ne m'intéressent pas. Allô? Merci. Bonsoir, ma chérie. Ça vous fait Gaïria? Oui, ça vous fait pas le béret. Ok, ouvre ton gosier, ouvre ma chérie. On t'écoute. Oui, moi je. Là, vraiment. Ce qu'ils font aujourd'hui, et puis.
vraiment qui veut vous aider. Ma chérie, ton réseau est Mbrakata. Ma chérie, ton réseau est Wawa. Quand tu appelles d'habitude, il faut t'accrocher sur le wifi, mais tu voles le wifi de l'église. Tu viens d'insulter mes parents pour rien. Qui, moi? C'est pas moi, ma chérie. Tu t'es trompé. Ou mais c'est une autre personne d'insulter, puis tu penses que c'est toi. Le jour, elle va enregistrer ses abonnés. Je sais même quand elle est son mari, elle enregistre. Elle enregistre. Je l'aime bien. Mais faut l'aimer qui t'empêche de l'aimer, ma chérie. Tu t'empêches d'aimer quelqu'un. Moi, on n'empêche pas d'aimer quelqu'un ici. Hein. Voilà. C'est bon, Patoya, appelez. Le gars, ivoirien, tous contre colon percé. Mais quand il les a dit ça au début, là, ils m'ont fait manger les jambes. Voilà ça. Voilà les gens qui appellent en vidéo. Ils sont guettés. Il a dit ça au début du colon percé, c'est un élément très dangereux. Il dit qu'elle a détruit le bloc des Maliens dans la politique. Quand ils l'ont vu dedans, là, ils l'ont déposé. Elle n'est plus de vue et elle a disparu de Facebook. Quand elle a réapparu là. C'est chez les Ivoiriens. Allô? Bonsoir Leslie. Bonsoir ma chérie, c'est pour Gaïria? C'est pour faire Gaïri à ton Congo. C'est pas ma question du tout. Ok, on t'écoute ma chérie, ouvre ton gosier, ouvre. Je voulais dire que cette fille là, elle est animée d'un prix démoniaque de sorcellerie. C'est clair. Parce qu'elle a fait ça avec les Maliens. Oui. Mais ce qui est vrai chez les Maliens, là, c'est que les Maliens, c'est un peuple uni. C'est clair. Quand tu vas décerner, là, ils vont colmater, tu ne vas plus rentrer. C'est clair. Tu vas te calculer même. Mais nous, les Ivoiriens, on est divisés. Sinon, il a dit ça aussi au début, on ne va pas calculer. Oh. Le fait que la copine de Paris, qui a beaucoup d'enfants, a voulu montrer qu'elle était arrivée là. Elle a laissé rentrer le serpent dans la pomme. Effectivement. Donnez votre avis, sans injure. Elle avait la pomme. Elle avait la pomme. Elle pouvait croquer. Et puis pour partager à ses amis. Mais elle a laissé le ver rentrer dans la pomme. Le serpent rentrer dans la pomme. Le serpent là, il était dans la pomme en train d'enregistrer tout le monde. Elle s'est mélangée, elle vous a mélangé. Je me rappelle très bien le jour où tu allais boire le dégain chez elle. Là. Le jour où j'ai vu ça, j'ai dit, hey, Esli, j'espère que tu as charbon après pour voir que la fille a t'empoisonne. Elle peut rien créer, elle n'est pas bien même. Mon mari a bu ça, elle a son enfant. Il a bu ça, son enfant. Mais votre cœur est blanc. Donc ça, rien ne peut vous arriver. Mais mon cœur s'est coupé quand je t'ai vu chez elle. Elle peut rien créer. J'ai dit, voilà, c'est Dieu qui est fort. Mais cette fille-là, si elle avait l'occasion d'approcher la famille Agri, si elle avait l'occasion d'approcher les enfants de la fille de Paris, elle allait leur faire sa porte. Parce qu'elle est mauvaise. C'est clair. Papa, elle est direct. Quelqu'un qui t'a tendu la main, qui t'a nourri, qui a soigné ta maman, qui est capable de faire ça, Leslie. Franchement. Et que vraiment, dans ton sommeil, si tu dors avec elle, faut pas qu'il y ait oreiller entre vous. Elle est capable de t'étouffer avec. Voilà. Elle est mauvaise même. Elle est vraiment, elles sont mauvaises. Ce qu'elle a fait à l'oncle de Paris, pour mélanger lui et sa soeur, ça n'a pas pris. Qui est l'oncle là? Le tonton de Paris, le mignon tonton. Pantalon. Bah, voilà. Donc, on est dans la réconciliation. Donc, voilà. Donc, si elle était capable, quand elle a dit qu'elle venait te frapper, là, cette fille est capable de laisser ses enfants à la maison, venir faire palabre pour te dire à quel point elle est bornée et pas intelligente. C'est clair. Partagez le direct, partagez le direct. Elle fait des choses, elle enregistre, elle veut mettre la jeune dame de Belgique, la dame de Paris, vous, les autres blogueurs, tout ce qu'elle a dit sur les Stéphane, tout ce qu'elle a dit sur les blogueurs, sur la politique, elle mélange tout. Elle mélange tout. Et quand tu lui dis d'envoyer les preuves de ça, elle saute, elle s'en prend autre chose pour envoyer. Et c'est la pauvre dame seulement elle envoie. Voilà. Elle fait tout, mais ça ne prend pas. Au Mali, on l'a détecté. Quand on détecte ce serpent qui est dans une cour là, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la tête, puis on coupe la queue. Au milieu, on ne peut pas bouger.
C'est ce que les Maliens ont fait. Pour la Côte d'Ivoire, là, elle continue de mélanger les gens parce que les gens l'écoutent. Sinon, elle ne peut rien créer. Pourquoi tout ce qu'elle fait, ça ne marche pas? Parce que son fond est mauvais. C'est de ça qu'il s'agit. C'est clair. Parce que son fond est mauvais. Tu ne peux pas créer deux sociétés d'affilée et puis ça a fermé. Même ceux qui font Western Union, même s'ils ne touchent pas l'argent, la commission permet de manger. C'est ça clair. Toi, là, envoyez les étoiles. Tu veux te pavaner ici pour dire que oui, j'ai fait ma fille quand j'étais grande, ma chérie. Ceux qui font les enfants qui ont pratiquement même âge un peu là, on appelle ça les enfants jetés dans la rue. Et puis aujourd'hui, ce qui m'étonne, quand il a vu son direct, elle dit qu'elle ne suit pas les moments des gens. Dès que je les regarde, ils me font rire. Qu'elle n'a jamais su les moments des gens. Quand elle nous traite, moi et mon mari, de dangardés, ça veut dire quoi? Quand elle nous traitait de sales, les lapins, les pêtes blanches, maintenant son gars est là, il veut qu'elle va sortir. Il l'a allumé, puis elle est sortie en ville, elle dit voilà où je suis. Viens! Parler du gars de Suisse là. Si elle est femme, elle n'a qu'à reparler de lui. Qui ça? C'est elle qui s'en réveille. Le gars qui fait les traites qui est en Suisse là, qui fait la politique là. Elle a voulu dire que le gars apprenne tout ça. Le gars lui a parlé deux jours. Plus jamais elle a prononcé le nom du gars. Elle n'a qu'à essayer. Elle pense qu'elle est intelligente. C'est quel gars ça? Partagez le direct, on a pas fait les partages. Vous ne connaissez pas son nom, mais il a lavé deux jours seulement. Il lui a montré que lui là, là où elle dort là, c'est lui qui a fait brique, qui a mis les briques. C'est de ça qu'il s'agit. C'est clair. On a combien de partages, famille? Elle pense qu'elle est intelligente. Toi, tu t'en vas chercher, gars, pour faire un peu d'ambition. J'espère pour elle, de toute façon, elle menace tout le monde là. J'espère que son gars a papier. De toute façon, elle dit qu'elle parle des gens, il y a enquête. Merci, oh, merci. Elle met son gars à papier. Avant, elle dit, il va m'asseoir, et puis il va venir nous frapper. Comme elle aime ça là. C'est elle qui dit que la jolie titi de Paris, là, la nièce de maman, là, n'a pas de papier. Non. J'espère que pour elle, son gars a papier. Parce que la descente, là, tout le monde peut avoir ça. C'est clair. Oui, oui. Agression. Elle dit que vous me la cherchez, on fait agression. Elle va nous agresser, on coupe LGBT, elle va nous agresser. Donc, quand ça arrive deuxième fois, là, on dit, ah, c'est prémédité. On t'attend. Sirène tout. Ouais, ma chérie, t'entends plus, oh, qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, les gens appellent. Qui appelle les Tunisiens? Allô? Oui, allô? Bonsoir, ma chérie, ça vous fait Jairia? Oui, ça vous fait Jairia. Ok, on t'écoute. Vraiment, moi, je mets la faute sur la femme. Tu mets la faute sur la femme? Ok, la marraine en question. La marraine même, là, je mets la faute sur elle. Parce que si elle se connaissait, là, elle sait comment la femme, là, elle, normalement, là, elle devait plus revenir. Elle ne pouvait plus revenir, puisque la chose s'est passée première fois un peu. Donc, si vraiment, si la femme-là, c'est une personne qui se respecte là, elle allait même pas se mettre dans le truc comme ça. Elle doit se mettre dans l'écart. C'est vrai. Tu vois, mais donc, moi, j'ai l'impression que la femme aussi, elle-même, c'est que je ne sais pas si les deux ne sont pas ensemble pour créer un frère ou quoi. Parce que moi, je ne comprends pas. À chaque fois, son nom est dans le truc comme ça là. Vraiment. C'est un peu ridicule quoi. Une personne respectée comme ça qui a un peu de l'argent, qui a un peu de nouveau, qui se met toujours dans les parfaits comme ça. Et puis on s'est dit, si cette femme. Peut-être que. Moi je pense que peut-être que cette dame. Si vous avez les gens qui sont très vicieux, ils nous regardent. Derrière nos téléphones, est-ce qu'on appelle les. Les gens qui sont. Chacun sa maladie à Facebook. Il y a des gens qui sont très vicieux. Peut-être que son vice, c'est de voir les gens parlables. Je ne dis pas que c'est le cas. Peut-être que son vice, c'est de voir les gens parlables, se titiller. Parce que si c'était avec son argent. Je pense qu'elle pourrait réconcilier tous les blogueurs. Voilà. Si elle dit Leslie, elle t'envoie 3 000, 5 000 euros. Ma fille de Paris, elle t'envoie 5 000 euros. Toi de Belgique, elle t'envoie 4 000 euros. Toi ici, elle t'envoie 5 000 euros. Elle a même 15 000 euros. Elle va réconcilier les blogueurs dans une salle. Voilà. Mais bizarrement, ses enfants, elle a 3 filles qui sont de ses nyangami sur Facebook. Elle est dans l'an toujours. Peut-être que c'est son fils aussi. On ne sait jamais. Il ne faut pas avoir. On a l'impression que les enfants qui les suivent, qui les font sur les réseaux sociaux. Elle est d'accord avec cette personne, à chaque fois elle est là-bas. Mon laisse, vraiment, moi je t'aime beaucoup. Hein. Mais moi j'ai l'impression que la femme là, elle n'aime pas. Au fait, non, elle aime ce qu'elle aime quand les blogueurs sont pas là. Moi, c'est ce que je trouve. C'est ton avis, mon cœur. Ouais. C'est comme ça. Donc là, la femme là, moi, quand là, elle n'a même là. Moi, je regardais pas ses directs, mais dès qu'il y a pas les directs là, je dis pas. Parce que c'est quelqu'un là, elle se respecte pas sur les réseaux sociaux. Vraiment, merci, moi je t'aime beaucoup, il regarde tes vidéos, c'est toujours sexy, vraiment.
J'ai eu l'occasion de parler avec toi aujourd'hui. Non, ça fait plaisir, ma chérie. Merci. Merci. Je te dis. Laisse les jaloux parler. Oh, ils vont parler. Non, 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 on avance. Merci, mon cœur. Bisous. Et c'est une abonnée qui vient d'appeler. De... Il n'avait pas demandé son nom, c'est dommage. Mais je préfère laisser les abonnés dans l'anonymat. Souvent, c'est important. Appelez mes bébés d'amour. Partagez. Aujourd'hui, on n'a pas encore tête. Vous étiez 1900 partages. Là, là, on est à 700 personnes. Il dit, on était à 1900 personnes, à 700 personnes. Donc, partagez le direct. Vous ne partagez pas. Partagez le live. Allô? Oui, allô? Bonsoir, ma chérie. C'est pas Gaïria? Bonsoir. Oui, c'est Leslie. Ça peut faire Gaïria? Je dis plus que Gaïria. Ok, faut parler, on t'écoute. Je dis que ma soeur. Oui. Go là. Go maudite là. Mm-hmm. Son mari qu'elle a envoyé là. Tu ne vois pas? Elle-même là. Tous les gens entendent fumer. Elle entend les voix. Elle entend la paix. Le truc là. Elle a fait la paix. Hey, dans ces bains là, ça va, elle dort pas vite là, elle a bain. Ah, tu connais pas Gola? Comme la ville, alors quand les gens sont rentrés en contact avec moi, moi, parce que c'est pas elle, elle va me dire le visage de la femme dans son visage. Elle arrête ici, elle est dans ma ville. C'est quelle manière ça? C'est pas bien. Vraiment. Quand la dame, c'est quand la dame arrête de donner l'argent. C'est clair. Merci ma chérie. Qui est vilain? Son mari là. Hein? Facebook là. Non. Elle est jolie, mais c'est pas mon roi qui la ressemble. Hein? Elle a manque de baiser même. Son mari n'est pas zo. Aïe aïe aïe. Du là, tu es tout comme ça. Tu sais que lui là même, il a souffert avant de venir en Europe. Elle dit qu'elle était footballeur. Quand tu rentres chez elle, elle faisait les photos de 1975. Femme de footballeur qui est mendiante à Facebook. Hein. Le gars l'a fait. Et que le gars l'avait parlé. Le gars l'a fait. Il en avait fait. C'est une moi qui a fait. Quand elle vient, elle, dans la voiture, elle a tiré une photo là. Ça m'a fait pitié parce que c'est il oublie d'accepter. Mais ça n'a pas parti quelque part, non. La femme a fait l'erreur de rentrer en contact avec sa maman. Tous ceux les ont attachés au beau là. Oui, je pense qu'ils l'ont attaché. Parce qu'apparemment, sa maman a préparé pour donner à la dame. Attaché. Ils l'ont attaché. Je pense qu'il fait d'amour ciel. Elle-même, sa maman n'est pas seule. Tu vois. Et puis, elle a une stratégie. La gueule, elle a peur. Elle a fait des gens. Elle a fait dire. C'est qu'il y avait des gens qui devaient pas sortir de papa sur eux que M. c'est là, parce que Gola pleure. Si elle n'a rien sur Gola même. C'est quelle femme ça qui est heureuse comme ça même. Et puis elle nous a encore mis sa bouche dans tout le bloc, c'est pas bon. Maman, il pensait que la dame avait coupé. Maman, il pensait que la dame avait arrêté les relations elle-même. Gola, même temps, si on fait, c'est quoi? Quand il dans ce qu'il a dit l'envoyé là, elle m'a la musique, même quand elle est allée se laver. Mais quand il y a Jeff, on dit pas qu'elle dort. Elle dort pas. Mais son papa, il pense qu'elle aime Gaïria, c'est tout. Sinon, elle dort pas. Ah, Gaïria, c'est encore sa nouvelle de temps. C'est pas bon. Gola, c'est une fumée de poudre blanche. Ne la voyez pas, elle est pas simple. Elle prend ban dans l'ido. Elle prend, il y a juste tout. Il ne sait pas si tu connais.
le truc blanc blanc, c'est un mélange. Et puis elle a dit son lit là, son lit trafiqué, elle était seule là. Alors ça dit merci à Gola, elle a pas venu son mari. Oui, apparemment c'est qu'elle avait venu son mari. Elle dit on veut venir quelqu'un qui est déjà en Afrique. Qu'on veut venir quelqu'un, ma chérie, on était coupé, désolé. Elle devait venir quelqu'un qui est déjà en Afrique. Elle se marie déjà en Europe. Turquie, c'est pas l'Europe. La Turquie, c'est pas l'Europe. Allô? Allô? Attends, mais vous parlez. Allô? T'as fait Gaïria? Je vois ton nom ici. Gaïri, mon numéro 1. Au fait, la dame est vraie pour notre temps. Il y a beaucoup d'enfants. Ça, c'était elle avait aimé la dame parce qu'on l'a insulté et tout. Mais pour qu'on ait resté là, elle allait examiner la dame. Mm-hmm. C'est elle qui parle des amours, hein. Peut-être pas des amours, c'est un au Bénin et tout, mais vraie amoureuse là. C'est pour l'empêcher. Pour l'empêcher, des amoureuses. On s'assoit si elle. La dame n'est pas aussi bête que, aussi bête que ça. Vraiment. Quelqu'un qui a vu une fois été, qui est venu t'insulter sur la toile, et tu vas encore rentrer en contact avec elle, aller lui donner de l'argent encore, et puis venir t'insulter. Elle allait des amours, la dame. Et aujourd'hui, sur la toile qui parle des amours, tiens, tu es parti au Bénin, c'est voilà, vraie amoureuse. S'ils peuvent parler là, ils n'ont qu'à parler. Voilà où on peut parler là, mais ils ne peuvent pas parler. Eux, ils pensent que la dame est bête. Elle n'est pas quand même bête. C'est clair. Elle a, t'as dit, quand la dame a commencé à se retirer là, elle dit toi, où je t'ai déjà eu là, tu ne peux pas. La dame allait voir sa maman, lui donner de l'argent. C'est comme ça ils ont pris quoi de quelque chose de la dame là-bas. Et la dame est revenue. Apparemment, même sa mère a préparé pour donner à la dame. Oui, oui. La tante de Belgique, là, hier, moi, je l'ai écoutée là. Elle ne voulait même pas. Jusqu'à ce que sa mère entrée qui a mis truc entre elle et la marraine là. Elle ne voulait pas. Mais dès que la dame allait manger là-bas pour venir là, même la tante de Belgique, elle a talonné. Hmm? Elle a talonné. Elle s'est montée. Oui. Elle a talonné la tante de Belgique là. Et elle a passé en bas. Mais comme eux tous, chacun voit à son truc, c'est comme ça. Elle a compris. Sinon, elle voulait venir gazer la dame. Mais elle a compris que ce n'est pas de sa faute. Elle a compris que ce n'est pas de sa faute. Oui, elle aussi, elle est. La tante de Belgique aussi, elle aime Zamou. Donc, tu vas voir qu'elle est lancée, c'est Cori. Ah, elle a dit que le Colin Percé, c'est le haut niveau du gris-gris. Parce que là, apparemment, la maman de Colin Percé a préparé pour aller donner à la go. Donc, en mode du labougou, ils vont causer. Quand tu mets les bébés, ils sont fatigués. Va-moi, elle a d'abord ça. Parce que Bola même, elle est du BF du Goudon. C'est quitté précieusement avec Bobo Gulasso, parce qu'elle parle avec les cilus, et puis ils ont mis la vente de la pauvre madame. C'est vrai qu'elle a va-moi sa fille de Paris, elle a va-moi tanti de Belgique. T'as dit des Belgiques aussi, elle dort pas. T'as dit des Belgiques, comme sur toi, hein. Tu nous résamous, tu nous ramènes. C'est ça qui a fait que t'as dit des Belgiques n'a pas pu gazer la dame fort. Mm-hmm. Elle allait voir aussi quelqu'un, c'est comme ça, on lui a dit là-bas que, parce qu'elle-même là, quand elle parle comme nous tous, on ne comprend pas français, mais elle, souvent, elle s'oublie elle-même et puis elle dit des choses. Oui. C'est quand elle a compris, elle a vu que mais la dame, elle n'est pas allée derrière pour apprécier pour les rien. Voilà comment elle est revenue, suite ça et elle veut maintenant quand même défendre la dame. Non, on va se guérir la puis derrière, moi, elle, c'est qu'elle a voilà le vrai problème. On dit, on a pensé envoyer la dame chez, au Burkina, on dit à l'eau, où il y a deux souris blancs seulement, souris. Souris blanc, oui, 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 il y a pris ça, c'est pas avec Bobo Gulasso. Voilà, on dit, quand tu vas là-bas, il y a quelqu'un qui les a vus. Qui est à côté, elle ne veut pas parler, elle dit, elle ne veut pas que la personne entend sa voix. Moi, je ne connais pas. Et aussi, je tiens. Elle dit, on dit là-bas, quand tu as quitté là-bas, tu ne dois pas te blesser. Et tu ne dois pas regarder derrière tout ça. Quand la personne a envoyé sa maman là-bas. Oui, à celui blanc là. Oui, à celui blanc là. On s'en là-bas. Moi-même, elle là-bas. Elle met là-bas. Elle est filmée pour moi-même. C'est là-bas, elle a envoyé la dame. Mmh. Ma chérie, attends, tu es perspicace dans le Congo, ça. Donc, attends, je vais faire la récapitulativisation. Donc, ça veut dire que Colin Percé a envoyé sa maman au Burkina où il y a les cellules, là, où il y a les cellules blancs. Les gens, c'est bien pour moi du lasso. Qui connaît?
Pourquoi tu l'as fait Bafora, c'est vers là-bas. Dans ça, la voyez, ça vraiment fait amour sur la dame en question, sur la marraine en question. Pourquoi que la marraine regarde les autres pour lui donner du son. Parce qu'elle a dit. Et ne coupe pas la parole. Mais apparemment, celle de Paris a dit que la dame dit qu'elle a donné 5 000 euros. Mais Colin Pesset dit qu'elle a donné plus que ça, qu'elle vaut plus que 10 000 euros. Colin Pesset dit qu'elle devait aller faire ses seins, mais elle allait consulter. Mais elle, elle avait venu son gars. Colin Pesset, tu. Mais elle n'a rien compris justement, la dame a changé. Sinon, elle allait tout prendre l'argent de la dame et puis tous les brokers que la dame aidait là, allaient comprendre. Mais il y a quelqu'un, quand il y a la tante de Belgique, hein, elle a fait expliquer. Tante de Belgique, elle ne dort pas, hein. Moi, elle ne elle dormait pas même. C'est tante de Belgique qui a. Coupez la patrouille, elle met sur les pages, le Congo, ça est lourd. Donc, c'est un peu ça. Donc, le courant percé là, la dame n'est pas bête. Faut même pas, ils vont dire la dame est bête. Elle n'est pas bête. Mais elle allait manger là. Mais après ça, sa maman, elle est partie au Burkina, dans l'eau là, où il y a celui blanc. Moi, je ne connais pas aussi, il y a vraiment celui blanc quelque part. Celui, oui. Il essaie qu'il y a celui, mais je ne sais pas si c'est blanc. Voilà. On dit qu'il y a celui blanc, que là-bas, là, c'est blanc. Comme, en tout cas, ce n'est pas comme ce que nous on mange là. Hein? Mais quand tu t'en vas là-bas, il y a quelqu'un qui t'accompagne là-bas. Hein? Tu dois pas regarder derrière. Mais en partant, si tu t'es blessé, genre ton sang a brûlé un peu là. En tout cas, ce que tu allais faire là, ça l'a donné propre, il n'y a même pas de doute dedans. C'est là, maman, elle est partie, ça, elle a envoyé sa maman. Voilà pourquoi la dame est revenue. Sinon, elle n'est pas bête. Elle n'est pas bête. Maintenant, cette tante de Belgique là, vraiment, elle-même, quand la fille a dit, et puis dans ses paroles, quand tu écoutes là, elle a fait l'idée en fait, c'est au cas là. Quand tu écoutes dedans, là, c'est comme ça, elle a compris la suite dedans. Elle aussi, elle a fait, et la dame s'est restée. Voilà, elle a fait la qu'elle a là. Mmh. Donc, pour la personne, elle ne peut pas. Est-ce que, à chaque fois, tu dis, tu es allé, ils n'ont qu'à parler de courant percé. La première zamoufée, c'est courant percé. Mmh. Elle a fini avec ça. Voilà ce que la personne a pris et dit. D'accord, merci beaucoup. Merci, ma chérie, merci pour le combo ça. Vraiment, ton robot ça est digne des films de Silu. Colin Pepe, elle va se lever demain sur moi. Tu te mets à clasher ton gars, il va te prendre. Il y a déjà les papas de ton gars, un sang Kaolo. Il a beau ça. Ouais. Chaque jour à 22h, ça sort sur Colin Pepe. Oui! On a 11 000 et toi qui va arrondir ça à 15 000. Eric, cette page-là, chaque jour, elle est déjà avec 2 heures. Hmm? On a une heure directe, ok. On dit on a une heure, on coupe. Hmm? Non, on baisse, c'est pas de game. Elle est fine. Les cellules ne sont pas blanches. Oui, c'est que les cellules ne sont pas blanches. Non, ça va baisser la trappe. On a une heure direct. Rendez-vous demain à 1h13. On a dit une heure direct. Merci, on a eu 11 190 étoiles. Merci, mes bébés. Rendez-vous demain, tard dans la nuit. Demain, je ne sais pas si elle fait la cuisine. Si elle fait la cuisine, on fait un direct dans la cuisine. Mais rendez-vous demain, tard dans la nuit. 22h, 21h30, comme aujourd'hui on a commencé à 21h30, il est 22h58, donc on a fait 1h14 à peu près de direct. Les studios de d'Afra, c'est à Bobo, voilà, il savait qu'on m'a dit ça. Il y a un côté où il y a celui, un côté où il y a Crocodile Caïman. Hmm? Donc bisous mes bébés, voilà personne. Ne pensez pas que je ne vais pas demander, c'est quelqu'un qui est venu pour gérer le Congo, ça et mes abonnés. C'est pas pour prendre pour défendre de toutes ces personnes là. Aucune d'entre eux me font pitié. Il y en a de la compassion pour personne. Voilà. Fais mon concours à mes abonnés. Mais pour l'autre personne m'énerve. Parce que elle a sali le blog ivoirien en salissant les gens. Voilà. C'est tout. Si elle verra mourir la dame. Elle a dormi la dame, on devrait pas m'en bat les steaks. Tu sais, bonne nuit.
belle master. Merci d'être à Lucie. Comment tu vas? Bonne nuit, mes bébés. Merci pour les 2000 personnes qui étaient connectées ce soir. Ciao, ciao. Rendez-vous demain à 21h30 pour un autre Congo ça.